pourquoi tu m'enregistres, toi, putain? Bah, le thème, c'est les médias, alors je fais les médias, on a dit. Ah ouais, c'est l'idée du sketch, bah, quoi. Oui. Ouais, mais c'est pas cohérent. En plus, je réponds pas aux médias, ça fait déjà des années, c'est pas logique. Mais non, mais là, c'est différent, c'est pour un blog. Un blog, c'est ça. Puis c'est fini dans le monde avec un procès au cul, je connais la combi, là. Tu me baiseras pas la gueule avec ta queue de cheval, je te dis tout de suite. Bonjour, je me présente Catherine Potiron. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le personnage? Oui, c'est le personnage. Eh, c'est bien fait. Dans le regard, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, tu t'es fait avoir, toi. Ouais, 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 ferme-la, par contre. Ferme ta bouche. C'est incroyable. C'est bien fait. Alors comment, Madame Cornichon, comment t'as dit? Non, on a dit Potiron. Potiron, d'accord. Vous êtes journaliste, c'est ça? Oui, alors non, pas tout à fait. Je suis en fait en école de journalisme actuellement. Ah, ça va, ça existe encore, oui. Ça, les écoles de journalisme? À mon avis, ça va disparaître avec Internet, c'est foutu. Hein. Aujourd'hui, un mec avec un smartphone, c'est un journaliste. Hein. Donc à mon avis, vous êtes jeune, trouvez-vous notre formation, un vrai boulot, hein, parce que là, c'est... Vous aimez parler aux gens, c'est ça? Oui. Ah ben, faites coiffeuse. En plus, c'est des écoles payantes à tous les coups, c'est ça? Bah les oui. Parents, bah, ouais. Ouais, mettez-vous à la place des parents aussi. Ouais, mais ouais. Enfin, c'est la moitié qui est payante. Ah. L'autre moitié, c'est l'État. C'est nous qui payons notre côté? Bah oui. Ah non, mettez mon nom, moi je me retire du projet. Attends, je vais pas commencer à cotiser pour des journalistes qui me crachent à la gueule. Ça suffit, je suis pas mazo. Hein. Vous allez mettre quoi dans votre article? Que je suis une ordure, un raciste, un antisémite? Ah non, pas du tout. Ah ouais, mais t'es obligé, sinon ça sortira jamais ton truc. Complètement taille. Vous allez mettre que je suis un mec bien? Non, pas forcément. Ah non plus, bon, vous avez des bases quand même. C'est juste que comme vous êtes une personne médiatisée, très controversée, je m'étais dit que ça serait intéressant. Oh, qu'est-ce que c'est que ces adjectifs très controversés là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, des adjectifs israéliens là? Tu me baiseras pas la gueule, quoi. T'es pas controversé, toi, ta petite gueule, là? C'est pas controversé. Ah, s'il n'est pas contre. Pourquoi le préciser quand c'est moi? Non, mais tu vois, là, on est dans un sketch. Mais fais très attention à ta petite gueule. J'étais à deux doigts de te cracher à la gueule, je préfère te le dire. Je vais pas te mettre mal à l'aise. Hein. Mais fais très attention à toi. Hein. Donc c'est dans le... Bon, c'est fini, j'en ai marre. Je vais aller faire caca, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas encore commencé, en fait. C'est dans le cadre de mes études, je prépare actuellement un mémoire. Quoi? Le sujet. C'est un devoir de mémoire? Oui. Je n'ai rien à voir dans cette histoire, d'accord? Je n'étais pas là, moi, avec cette histoire de mémoire. Nous, on était en Afrique. Hein. Non, 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 rien à voir. Donc ne viens surtout pas m'emmerder avec ta mémoire, toi. Chacun sa mémoire. Je me démerde avec ma mémoire, tu te démerdes avec ta mémoire. Je crois qu'on s'est mal compris. Ouais, ouais, j'ai très bien compris où tu veux en venir. Non, en fait, je prépare un devoir de mémoire pour mon école et le sujet, c'est la liberté d'expression. C'est pour ça que j'avais pensé à vous. D'accord. Vous êtes Charlie, c'est ça? Ah, bonjour Charlie, je m'ai reconnu. Ah ben oui, avec le pyjama, j'ai trouvé Charlie, il était à côté de moi. T'as paumé ton bonnet? Vous étiez Charlie au moment des attentats de Charlie Hebdo, peut-être? Oui, quand même. Ah bah oui, dis donc. C'est bien, mademoiselle. Vous avez manifesté dans la rue, tout ça? Quand même. Ah oh, bah ouais, alors là, ça... Là, il fallait. Hein. Vous êtes peut-être même abonné à Charlie Hebdo, non? Ah non. Oh, vous êtes un peu rebelle, dis donc. Non, vous avez raison, c'est vraiment de la merde, ce journal. Depuis le départ, j'ai jamais acheté un truc comme ça. Vous. Je me demandais justement à propos de ça, vous vous sentez encore, Charlie Koulibaly? Ça y est, on est sur le terrain judiciaire, on est parti. Tu sors les dents, allez, on est parti. Effectivement, à un moment donné, sur mon parcours, je me suis senti Charlie Koulibaly. Je me suis senti humoriste traité comme un terroriste. Je me suis senti entre le couteau et la plaie, voyez-vous ? Entre la victime et le bourreau. Voilà. Mais bon, les flics sont venus me chercher à 6h du matin chez moi. J'ai été condamné deux fois de suite, donc je ne me sens plus du tout. Vous mettez... Je ne me sens pas à un niveau... Ah, j'ai même perdu le sens du goût.
Je n'ai plus le goût de... La démocratie n'a aucun goût pour moi. Il y a même un petit arrière-goût de pisse, même, derrière. Quand tu le... Alors, deuxième question. Vous croyez à la théorie du complot? C'est bien ou pas d'y croire? Non, alors, mais j'y crois pas. D'accord. Et j'incite les gens à croire dans la version officielle du gouvernement. Ce sont des gens bien, quand même. Oh. Sensationnel. Oh. Et les médias aussi, super. Vraiment, on a... BFM, numéro 1. Et 2 et 3, même. Elles sont les 3 premières places. C'est des gens, ils ne manquent jamais, jamais. Ça peut arriver, mais toujours de bonne foi. Oui. Bon, allez, c'est terminé, là, parce que j'en ai plein dessus, là. J'ai une dernière question. Vous niez toujours l'existence des chambres à gaz? Alors, pour tout ce qui est technique, Jackie. C'est quoi la question exactement? Les chambres à gaz. Bah quoi, les chambres à gaz? Oh. Eh bien, elles ont existé? Parce que vous avez un doute, mademoiselle? Alors là, je vous laisse seul face à vos interrogations. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Et je prends immédiatement mes distances. Je n'ai rien à voir, je suis scandalisé même, par des questions aussi incroyables. Saleté, bah. C'est à cause de gens comme toi que ma grand-mère... Hein? Je crois qu'on s'est mal compris, parce que moi, j'y crois. Évidemment, c'est obligatoire. Pourquoi le préciser? Je sais même pas dans quelle mesure dire j'y crois, c'est pas condamnable, hein, parce que ça veut dire quoi? Oh, détends-toi, toi, j'y crois, mais alors, on t'a rien demandé. Évidemment que tu y crois. En plus, devant une caméra, comme ça, là, t'es mort. Franchement, le métier de journaliste, oublie ça. T'es filmé, là, à mon avis, va te prostituer directement. En plus, c'est la même chose, donc... Mais au moins, t'iras directement droit au but, hein. J'aimerais pas être à ta place. Moi j'y crois. Mais c'est ta caméra, Andouille. T'es complètement rentré dans ton délire, toi. Mais non, mais la question, elle était pas pour moi, elle était pour vous, en fait. Moi? Oui. Moi, pour tout ce qui est fait spéciaux, Jackie, c'est à toi de prendre la parole, j'ai aucune compétence. Techniquement, j'ai rien, moi je réponds pas. Non, non, mettez pas, je réponds pas, parce qu'il y a une négation. Ok? Donc vous mettez... Didou, 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 didou
C'est grave de dire ça sur les gens. Écoutez, je ne sais pas, faudra dire à votre agent qu'il y a une coquille dans le CV, quoi. Bon, c'est pas très grave, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez fait de la prison, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et je vais y retourner, moi, dans... Ah, d'accord. Ouais, il me reste trois mois, là, qu'en faire. Oui. Une affaire de shit, là, j'ai mis du... C'est intéressant, ça. Ça t'intéresse, tu veux... Non, c'est pas ça que je voulais dire, non. Pour le personnage, c'était... Si, même héroïne, si, coca... Non. Tu te piques, toi. Non, on va pas... Directement dans l'œil, comme ça. Non. On va se mettre en place, mettez-vous dans la lumière. On commence, là hein? Oui, on va commencer, oui. Hé, madame, c'est moi, là? Oui, c'est le retour de la caméra. T'as vu? T'as pas le temps de te voir comme ça, t'as vu? Non, t'as pas le temps de te voir, non. Alors, on va se mettre t'as en vu, place. C'est trop rapide, le truc, t'as vu? Oui, c'est très très rapide. Alors, peut-être que tu te mets au milieu comme ça, non? Non, tu peux pas, c'est pas possible. Mettez-vous dans la lumière, on pourquoi va commencer. Pourquoi c'est rapide comme ça? Pourquoi c'est... Parce que c'est la vitesse de la lumière, vous voyez, ça va vitesse dans le cadre qui est là. Ça va jusque dans l'écran, c'est très rapide. Et si tu pinces comme ça? Non, mais c'est pas un tuyau d'arrosage. Bon, allez, mettez-vous en place, on va commencer. Voilà, faites-moi le gars méchant pour commencer. Le mec costaud. Oui, voilà, le mec un peu... Elle me regarde pas, j'aime pas, madame. Ça me déconcentre, l'autre, avec sa gueule dégueulasse, là. Non. Il est déjà mort, il porte la poisse, lui. Fous le camp. Tire-toi, chacal. C'est le technicien, on a besoin de lui, donc on va rester gentil. Alors, mettez-vous en place. Allez, action. Le mec qui est fort, quoi. Oui, voilà. Là en fait, attendez. Non, attendez. Je crois qu'on s'est mal compris. Non, je touche à rien. Arrêtez. Ça suffit. Arrêtez. Bon. Ça va? Vous allez bien? Fatima, c'est non, c'est pas Fatima, non. Effectivement, ça va pas très bien. Pourquoi il y a des papillons, madame? Bah, vous avez arrêté de respirer pendant 5 minutes, donc forcément. Bon, écoutez, on va attendre. Oh là là, restez avec moi. On va attendre que le sang remonte au cerveau. Attendez. Vous pouvez? Non, vous pouvez pas. Alors attendez, on va se calmer. Respirez, allez, à fond. Voilà, bon, on va reprendre, hein. C'était bien quand même, non, comme ce que j'ai fait. Non, j'ai chial à fond. C'était... Oui, mais un peu trop, malheureusement. Donc on va faire un truc un peu plus soft. Vous allez me faire le méchant de prison, un truc à la Scarface pour commencer. Action. Comme Tony Montana, des trucs comme ça? Oui, je préfère. Allez, action. Non. J'ai... Un gars méchant comme ouais, ça. Mais pas trop. Pas trop, ouais, voilà. Allez, on y va. Hé, hey, Rodriguez. Fils de pute, vous. Rendez-vous à Los Angeles, bon, bâtard. Attendez. Non, ça va pas du tout. Je pisse sur ton chat, espèce d'ordure. Il faut que vous restiez dans la lumière. Madame, c'est entre lui et moi, d'accord? Oui, non, mais vous Rodriguez. Non, attendez, c'est on une histoire on d'homme. C'est un homme, un homme. Tu m'envoies pas ta pute, non, toi. Mais il en va rien du tout. Si je viens le voir, si t'as un problème bon, avec moi... Écoutez, non, ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes plus dans le cadre. Mettez-vous bien dans la lumière, ça c'est déjà un premier pas. Donc n'avancez pas. Hey, mais faut dire couper, madame, t'as vu? Moi je reste dans le délire comme ça. Tant alors, d'accord. Tu dis pas couper. Alors couper. Voilà. C'était bien non. Pas, c'était attendez. Bien. Attendez, on va recommencer, vous êtes approché de la caméra. Vous avez pris. Dans le cadre. Non, pas tout de suite, on va recommencer. J'suis pris. Non, on va le refaire. Mettez-vous bien dans la lumière. Quand je fais comme ça, là, c'est bien ça? Oui, bon, alors vous allez me faire la même chose, mais cette fois-ci sans parler pour voir. Allez-y. Que je dis quoi, madame? Parce que je suis ça. Non, justement, je voudrais que vous le fassiez sans parler. On fait un truc un peu plus soft. Allez, action. Hey, même pas ça? Non, ah non, surtout pas ça, non. Allez. Mais t'as dit, il est méchant, comment tu veux? Et bah, c'est que je fasse le méchant. Voilà. Voilà, exactement. Mais c'est une victime, tu l'achèves. Pourquoi pas un aveugle, madame? Je peux pas... Il est méchant, t'as dit. Eh ben, servez-vous de votre imagination. Imaginez qu'il s'est pris
un coup de poignard dans la gorge. Ah, un coup de poisson, par exemple, un coup de poisson en prison. Bah voilà, par exemple, il a une grosse angine. Enfin bref, il peut pas parler. Allez, une action. Angine. Oui, il a une angine. Allez, allez, allez. Je crois qu'on a saisi. On va y aller. Non, parce qu'il ne peut pas avaler, c'est oui, ça. Oui, non, mais d'accord. Oui, bien sûr. T'as de la chance, je peux pas parler, Rodrigo. Tu pourras pas rester caché éternellement dans cette caméra, fils de pute. Ok, coupez. Coupez. C'est bien. T'as vu ce que je fais? Oui, l'eau qui est comme ça. Oui, alors attention. Tu fais les parties oui. Molles comme ça, tu sais. Oui. L'eau qui baisse la garde. Tac, tac. Ok, attention. Hein. C'est Soral qui m'a appris ça, c'est bien d'accord. Ou pas? Alors évitez de cracher sur la caméra, ça m'arrangerait. Hein, non mais bon. C'est bien, autrement c'est bien quand même. Oui, alors on va passer au petit extrait pour lequel vous êtes venu. Donc c'est pour le rôle de Miss Tringuette. Alors, mettez-vous dans la lumière. Est-ce que quoi vous pouvez nous mettre c'est un peu quoi ça Miss Tringuette, c'est le rôle pour lequel vous êtes venu. Allez, en place, musique, c'est on qui, y va. Miss Tringuette, mon dame. Mettez-vous dans la lumière, j'ai besoin de vous là. Mettez-vous en chauffe, allez-y. Dansez. Quoi? Dansez. Non, moi c'est la bagarre, c'est des trucs comme ça que je fais. Non, non, là c'est la scène où vous dansez. Allez. Mais je suis pas danseur, madame, moi. Non, mais je vous demande pas de faire une pirouette arrière. Vous avez déjà dansé en boîte. Est-ce ça, que vous, ça, là. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu plus fort? Vous savez, un peu comme dans vos pays, là, quand vous êtes plus... Non. Un peu plus. Essayez un peu plus fort. Merci. Voilà, donc, on est dans une boîte à partout. Quoi? Miss Tringuette est un jeune transsexuel d'origine béninoise. Le jour, il est agent de surface et la nuit, il s'éclate en discothèque. Bon, il faut l'imaginer défoncé au crack, hein, évidemment. Déshabillez-vous pour voir, montrez-moi les fesses, allez-y. Pardon, madame, j'ai pas compris. J'ai oublié de vous demander, vous acceptez qu'on vous introduise des accessoires dans le derrière, rassurez-moi. Derrière moi qu'il y a quelque non. chose. Coupez. C'est ça, j'ai pas compris. Non, oui, des plumes, des LED, des accessoires, vous acceptez ça? Dans le trou-trou. C'est moi que tu parles comme ça. J'ai dit, il y a une erreur, madame. Tu sais, j'ai dit, je la tape ou pas? T'es fou, quoi? Moi, je dis sur votre CV, style viril. Viril, madame. Oui, alors attendez deux viril. Secondes. Oui, non mais attendez deux secondes. Tout emploi accepté, ah, donc il faudrait pas, savoir. Mais pas dans les fesses, t'es fou, toi. Vous êtes professionnel ou vous n'êtes pas professionnel? Pas le trou-trou, t'es fou. Mais je peux pas. Moi, j'ai dit rôle de bagarre, c'est tout. Même par rapport à la religion, tout ça, tu peux pas. On est en plein ramadan, qu'est-ce que tu vas te mettre dans le trou-trou, toi? Mais attendez, si c'est une question de planning, on peut s'arranger. Ça peut se tourner, je sais pas, moi, 3 mois après le ramadan, ça ira. Mais même 100 000 ans après, qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Non, tu fais ce que tu veux avec ton trou-trou. Oui, mais c'est pas moi la comédienne. Donc, non, non, mais moi j'ai parlé à l'agent, je lui ai dit, c'est le rôle de bagarre. Oui. Elle le sait, appelez-la, madame Bertrand. Là. Elle est venue me voir, elle a pris en photo, c'est les drôles de bagarre que je... Monsieur Bertrand, vous non, non, l'agence Bertrand, là, que j'ai... Moi, c'est la femme que j'ai vue, moi. Non, non. Qui nous a visité, tu sais, en prison là. Elle a dit, toi c'est bien. Moi j'ai dit, moi c'est la bagarre, les trucs comme ça. D'accord, oui. Donc c'était Monsieur Bertrand que vous avez vu. Quoi? Non, non, avec le Cayenne là. Oui. La dame là, avec la robe là. Oui, non, ah oui, effectivement. Moi. Il a une robe, il a des seins, mais il a pas de femme. C'est Monsieur Bertrand que vous avez vu directement. C'est sur un coup. C'est un homme, Madame Bertrand là. Oui. Quoi? Si je vous le dis, bon, je pense quand même être bien placé pour mais il a une sœur, peut-être, tu connais pas, c'est non, tout. Non, il a pas de sœur, non, c'est pas... Non, non, c'était...
Il a été un petit peu tactile avec vous. Mais où ça va? D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, effectivement. Oui, ça surprend, forcément, tout de suite, oui. Pas... Oui, bien sûr. Oui, c'est très... Je comprends. Forcément, on a peut-être mis les pieds un peu dans le plat. Après, vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans le métier. Rassurez-vous, c'est pas... C'est... Là, c'est douloureux, mais on en rigole à la fin, finalement. Vous savez, tous les plus grands sont passés par là. Hein. Par exemple, Schwarzenegger, vous croyez qu'il a commencé comment? Avec Madame Bertrand aussi. Oui, parce que... Ce que je voulais dire, c'est que Mister Univers, il en a bouffé du string avant d'être Terminator, croyez-moi. Mais voilà, c'est des trucs comme ça, moi. Terminator, les trucs de oui, bagarre, même en robot. Dire, en fait. Mais oui, s'il faut faire le robot. J'en ai pas vraiment besoin. Bon, non, ou un vigile, peut-être. Non, il n'y a pas de vigile. Bon, écoutez, c'est Terminator que vous voulez faire. Voilà, madame, ça, hein, c'est ça, moi, je peux pas faire autrement. Eh bien, il faut faire Mistinguette. C'est comme ça que ça fonctionne dans le métier. Bon, alors, j'aimerais bien voir avec la costumière, parce que j'aimerais bien lui faire sortir un tube fluo du cul. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on pourrait lui en mettre deux. Toi. Oula, attends. Non, tu me laisses. Ça va se finir sur Périscope, tous les deux. Regarde-moi. Attention. Mais je vais te suivre jusque devant chez toi, d'accord? Non, attendez. D'accord? Non, ne commence pas. Sur Périscope, quoi? Il veut mettre un lampadaire dans le cul. Ok, ça va ou pas? Non, mais attendez, ce sera éteint, c'est très sécurisé. Même éteint? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu mets pas un lampadaire dans le cul de la personne? Bon, on est où aussi, là? D'accord. Alors, en fait, on est dans un cadre artistique. Il faut tu comprends pas qu'on en a plein le cul des Arabes? Rassieds-toi. Je viens te calmer. D'accord, on va se calmer. T'es motivé, t'as peur ou quoi, toi? Ça va finir sur le plateau de niveau zéro, tous les non, deux. Ça tu vas voir. Attendez, on se calme. Je crois qu'on est un peu monté sur nos grands chevaux. Voilà. Calmons-nous. Ouais, on va redescendre d'un cran. On vous en mettra pas deux. Voilà. Un, ça suffira largement. Il faut encore qu'il puisse marcher. Bonjour mes petits loups chéris, que je vous aime, que je vous adore. Et c'est Noir Boubou, comment vous allez aujourd'hui? Général, viens là. Non, ton appareil là, ça parle tout seul, quoi. Mais tu es qui, toi, là? Comment t'as atterri sur mon chat? Le chat? Eh ben oui. Ah bon? C'est à moi que tu parles? Mais évidemment que c'est à toi que je parle, là, les gars. Oh, ah bon? Tu me vois? Mais comment? Tu es qui? Non, je suis le papa de Gédéon, là. C'est quoi cet accent que tu as? Tu viens du Nord? Oh non, on est au Cameroun là. Mais comment t'as atterri là toi le grand-père? Non je sais pas justement, je sais pas. J'ai appuyé quoi, j'ai appuyé. Mais t'as appuyé sur quoi? Non j'ai appuyé sur la photo là, j'avais appuyé. T'as appuyé sur la photo et je suis en maillot de bain? Ah bon? Non c'est la vérité, c'est la vérité. J'ai vu la femme, j'ai dit, comment, j'avais appuyé. T'es un petit chaud lapin, toi, le grand-père? Ah bon, non, c'est vrai, je suis très vigoureux. Ah, dis donc. Les enfants, venez voir la femme, là, elle te parle, hein. C'est comme la télé, quoi, elle te regarde, hein. Coucou, les enfants, chérie. Tu la vois? Ah bon? Les enfants disent, elle est belle. Ah, oh, merci, les enfants, chérie, c'est très gentil. Ah bon? Et les cheveux, là, c'est vrai, ça, la paille, là? Mais évidemment, c'est des vrais cheveux. Ah bon? C'est des vrais estanciens. Mais où sont les enfants autour de toi, là? On ne voit même pas, hein? J'ai pas d'enfants, les grands-pères. Oh. Non. Tu es malade? Mais non, mais tout le monde dit, le sait que t'as un bidou, tu perds tout. Ah, mes petits loups chéris, vous ne me voyez pas avec un petit bidou? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ce monde qui ne veut pas vieillir? Personne ne veut vieillir le grand-père. Mais il faut vieillir pour voir grandir les enfants. C'est comme ça qu'on fait, mais non? Mais non, tu as compris. Bon? Il faut profiter de la vie maintenant. Ah, il faut profiter. Enfin. Tu ne pourras pas fuir la vieillesse éternellement. Hein? Et pourquoi d'un? Parce que la vieillesse arrive à grandes enjambées. Un
un des trois soleils, hein, tu te retournes, mais comment? La vieillesse est déjà là, hein. Ah oui, elle est déjà collée, quoi. Collée la vieillesse. Collée la vieillesse. Quelques années plus tard. Tu vois, on est déjà rendu maintenant, c'est 7G. Hein? Ça veut dire ça file, quoi. Je regarde qui s'est reconnecté là, Nambou. Oh là là. Oh, ça faisait depuis. Hein? Nambou, c'est comment? Tant que t'as la tête dans le guidon, tu vois rien. Oh, c'est déjà gâté, hein. On a beau te dire oui, tu fonces droit dans les murs. Mais tant que t'es dans l'esprit de tu vois. Tu as l'air fatigué, Nambou, hein? Oui, j'ai fatigué. Tu as couru? J'ai couru pendant 10 ans. Ça m'a arrêté. Ah, tu entends, elle a couru 10 ans? 10 ans. Non, c'est trop. Mm. On ne court pas 10 ans. Mm. Même le Kenyan ne peut pas faire ça, hein? Et le bonnet, là, c'est déjà l'hiver. Mais non, mais c'est parce que j'ai perdu tous mes cheveux à cause de la dépression. Oh non. Oui. Hôpital. Cure de sommeil. Oui, voilà, il faut dormir. Va dormir. Il, hein. Il a fallu que j'arrête l'alcool. Ah bon? Oui. Tu buvais en courant, quoi. Mm. Alors là, non, c'est exagéré. C'est exagéré. Mais il a fallu que j'arrête la drogue aussi. Ah bon? Oui. Tu avais consommé les stupéfiants? Oui, j'avais consommé. Ah. Ah, les enfants, hein, qui étaient là. Mmh. Non, la drogue, alors là, non, c'est mauvais. Hein. Oui, mais tu parles du principe qu'il faut tout essayer. Non, hein. Non, 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 non. La drogue, là, vraiment, il faut arrêter. Hein. D'accord, je vais arrêter. Tu promets? Oui, je promets. Alors, ça va. Mais il y a eu aussi... Non, il y a quoi encore? Il y a eu cette TS. Tu veux parler l'ancienne Citroën? Mais non, j'ai dit TS, tentative de suicide. Oh, oui. Ah, je comprends. Oui. Tu as voulu quitter, quoi? Oui, je voulais quitter. Je n'arrivais plus à rester connecté à la vie de vivre. Non, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais, quand la tête commence à tourner, là, oui. Il faut manger l'ananas. Ça veut dire en grande quantité. Tu peux même manger 20 kilos, hein. Quoi? Ananas. Tu peux même faire chauffer ça. Chaud, espace. Ananas. Tiens, t'as vu, c'est le spécial Porsche chez Jean-Michel, il m'a filé ça. T'as entendu? Quoi? Elle veut dire qu'on était des animaux domestiques, t'as pas entendu? Ah, oui, pas tant, oui, c'est vrai, mais on est des animaux, quelque part, ouais. Bon, animaux domestiques, quand même, c'est choquant, non? Ah non, ça ne me choque pas. Ça te choque pas, ah non, madame, non, allez, ça ne me choque pas. Allez, donc, allez, c'est bon. Allez. On est des mammifères, il me semble, non? Tu ponds des œufs ou pas? Eh ben vas-y, fais-nous une omelette, qu'on rigole. Tu peux être con, ma pauvre femme, c'est de pire en pire. L'autre, maintenant, elle remet en cause les gens de la télé, l'autre. N'importe quoi. C'est que c'est le premier stade de radicalisation, ça. Remettre allez, en cause la télé. Ah, je suis désolé. De là à te retrouver en Syrie, il n'y en a pas loin. Allez. N'importe quoi. Moi, je serais pas fiché, c'est à cause de ta petite gueule. Je préfère te le dire. XY, même. Allez, vas-y. Ouais, c'est ça, l'autre. Elle remet en cause la télé, l'autre. Madame est passée chef de rayon chez Leclerc, ça y est, c'est parti. Hop, allez, je parle à la place des gens de la télé. Non, mais attends. T'as affaire, c'est des sommités, des experts. Des gens, tu peux pas comprendre, c'est un autre niveau que nous. Hein. L'autre, le mec, il a peut-être bac plus 2, 3, tu sais pas, tu... L'autre, elle a réussi à choper son CAP comptabilité. Péniblement, l'autre par correspondance au bout de 20 ans, l'autre, allez, gestion, c'est parti. Gestion comptabilité des actes. Pareil, c'est de la merde. Oh, excuse-moi. Non, mais bien sûr. Mais là, tu sais faire que ça pour abaisser, alors comme ça.
Oui, c'est vrai. Ah, bah, ouais. Heureusement que je suis là pour te remettre les pieds sur terre. Ah, bah, ça serait dommage. Bah, ouais, parce que toi, t'as décollé pour Jupiter, ma vieille. Pas ce qui se passe dans ton crâne de piaf en ce moment, mais... je sais pas si c'est ces cours de yoga de merde. Avec la prof de yoga, Madame Bertrand, je peux pas la saquer, celle-là. T'es pas normal, cette femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça n'a rien à voir avec Clarisse ou l'ancien du vent du Rinpoche. Oh. Ça te dire on n'est pas une espèce différente d'eux. Bien sûr que t'es différente. Oh, on n'est pas une race inférieure. Ah si. Allez, c'est bon, allez. Ah si, tu n'as rien à voir avec les gens de la télé. Bah, bien sûr. C'est des gens, ils ont une instruction, ils ont des savoirs. Mmh. Ils savent, ils connaissent, ils ont une analyse. Que toi, tu ne peux pas avoir. S'ils n'étaient pas là, les gens de la télé, ça ferait... Les gens s'entretueraient dans la rue, ça serait un véritable massacre. Oh, bien sûr, bien, ah, bien si, sûr. Ah si, bon, quoi, bien sûr, ça fait longtemps que je t'aurais tué, ma pauvre vieille. Je t'aurais noyé, moi, je pense. Je le ferai jamais. Mais apprends à nager, quand même. N'importe quoi. Ce mec-là, il a envoyé une sonde sur Mars. Non mais tu vois à qui tu parles là. Parce qu'il a envoyé une sonde sur Mars, il a trop de m'insulter. Mais t'insultes pas, putain, il te dit que t'es une vache à lait, ça va. C'est pas insulter, peut-être. Ah non, c'est pas t'insulter, c'est dire la stricte vérité, madame. Bien sûr, allez. Quoi, bien sûr, t'es quand même plus proche de la vache à lait que d'une sonde sur Mars, que je sache. Qu'est-ce que t'as dans ton crâne de piaf, là? Mais oui, t'es quand même plus proche de la vache, ne serait-ce que sur le plan géographique, réfléchis un petit peu. L'autre, elle est sur Mars, l'autre, maintenant. Elle est terminée. T'étais où pendant qu'il envoyait sa sonde sur Mars, l'autre? Qui se faisait chier avec ses équerres, les calculs, cosinus, Pythagore, les verbes irréguliers, tout ça, hein? Pendant ce temps-là, madame se faisait les ongles des pieds chez cette connasse de prof de yoga que je vais passer vous voir dans très peu de temps. Sache-le, j'ai déjà repéré la salle de yoga. Bah allez, bien sûr, allez. C'est ça, tu me crois pas? Oh bah oui, je te crois. Ouais, tu me crois, en rentrant du boulot, je suis pas passé à la salle de yoga? Bah bien sûr. Mardi dernier, il y avait personne. C'est ça. Allez. Tu rentres dans la salle, t'as un escalier qui monte. T'as un escalier, t'as un extincteur rouge en bas à gauche. Ok ou pas? Ok ou pas là? Ok? Mais qu'est-ce que t'as allé foutre toi là-bas? Qu'est-ce que j'ai allé foutre là-bas? Tu vas voir. Et je vais revenir. Le prochain cours de yoga, je serai là, crois-moi. En plein cours de yoga, je vais débarquer, tu vas voir. Je vais prendre l'extincteur, je vais monter en plein cours. Je vais attendre qu'elle fasse le poirier, l'autre, et crois-moi que... J'en connais une qui va chier de la mousse, crois-moi bien. Mais ça va pas toi dans ta tête. L'autre, il veut foutre des extincteurs dans le cul maintenant. Allez. En plus, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as contre le yoga? Monsieur, c'est pas faire la position du lotus, alors le yoga, c'est de la merde. Allez, je te connais par cœur. Je sais pas quoi. On va faire la position du lotus. Je sais pas faire le ficus. Non, je sais même pas ce que c'est. -45 degrés, 45 degrés. Échec et mat. Terminé. Et retire tes godasses. Mais qu'est-ce que tu me fais chier là? Mes pompes, putain! 450 euros chez But! Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Regarde la pub, ça va te calmer, ça va te faire du bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Faut lâcher cet aspirateur. Les dernières technologies, ça nous ouvre, ça. Non, il est transparent, tu vois ce que t'aspires. Ça n'a rien à voir avec la daube que nous a offert ta mère il y a 20 ans. On en a déjà un, on est endetté à 75%, l'autre il veut racheter des aspirateurs. Ça va, on passe à 76%, t'as été augmenté ou pas? Bon. Là, ça va, c'est pas... 200 balles, super. Eh ben ils sont là, les 200 balles. Oh, on va acheter des aspirateurs tous les mois parce que j'étais augmenté de 200 balles, n'importe quoi, toi. Mais non, mais écoute, ça n'a rien à voir, écoute-le, voilà. 3 fois plus puissant. T'as vu le truc, putain, t'as vu comment ça... Tu débouches les chiottes avec ce truc-là. Toute surface, tout, regarde, la moquette et tout.
Ah oh là, j'ai... tu peux même t'épiler la marmotte avec ce truc. Je viens de te faire chier avec tes peaux de cire de merde, là. Laisse-la où elle est, la barbotte, elle va très bien, elle est en train d'hiberner. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu la marmotte. T'es pas prêt de la voir, hein. Marmotte. Impayable. T'as vu, en plus, tu peux payer en trois fois, putain. T'arrêtes de me faire chier avec l'aspirateur, oui. Oh, c'est même pas toi qui le passe. Non, mais vas-y, dis que je fous rien, t'es énervé, la mec, et tu vas fermer ta gueule. J'aimerais bien savoir ce que tu fous, oui, allez, la liste, elle est courte, hein. Allez. Savoir ce que je fous? Ouais. C'est qui coupe le poulet le dimanche midi? Tic-tac, tic-tac. On n'entend rien. 6-0, 6-0. Terminé. Tiens, regarde, ça, c'est les croquettes, t'as vu? Au Nutridium. Ouais, c'est fait en laboratoire aussi, ça. Ouais, il est heureux, le chien. Regarde, il court, il est bien. Là, le poil lisse, voilà, c'est ça. Tu vas pas acheter des croquettes, on n'a même pas de chien. Ah bah tu les boufferas. Bon, oh, ça va pas toi dans ta tête, pardon, tu veux me faire bouffer des croquettes. Bah t'as le cheveu rêche, ça peut pas te faire de mal. Tu deviens con, ma pauvre femme, tu deviens atroce, immonde. De vivre avec toi, c'est un calvaire. Franchement, on m'aurait dit ça au départ, je te dis tout de suite que je signais pas. Ça c'est clair. Ah oui, parce que moi je signais peut-être. Ah ouais, mais bah, crois-moi que le pote Bernard, il m'a dit au boulot, tu vas voir, elle devient infecte. Il avait pas tort. Passer la quarantaine, là, au moment de la mini-pause, là, je sais pas quoi, mais c'est la pause déterminée, définitive, hein. Je vais te dire, de toute façon, la nature est bien faite, hein. Tu vois bien, c'est, t'as le fion qui pourrit, t'as tout qui part en couille, hein. C'est un moment, tu sais, il y a des civilisations dans le monde, ils s'emmerdent pas, hein. Passer un certain âge, les bonnes femmes, un coup derrière la nuque, terminé, hein. Font un trou dans le jardin, puis ils font du compost avec, j'ai vu ça. C'est bien, au moins t'es utile à quelque chose. Hein. C'est le grand cycle comme ça. Hein? Je t'aime. Je te l'ai sorti ou pas la connerie là? Ah, faut essayer de se remettre en place, hein, parce que là, ça part en couille, hein, ma chérie. Tu sais, faut essayer de se remémorer les bons moments. Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu, mais bon, enfin, il y en a eu, hein. Faut se remémorer ici, au début, quand on s'est rencontrés, tout ça. Ah, ben quoi, t'avais quel âge quand je t'ai rencontré la première fois? J'avais 16 ans. Ah, ben ouais. Ouais, attends, c'était déjà pas mal, non? Ouais, moi, je me souviens, c'était mon premier boulot, moi, donc j'étais tout jeune apprenti, moi, bah, j'étais... Oui, c'était en formation, je m'en souviens. Ouais, j'avais quoi, j'avais... Bah, t'avais 33. C'est ça. Ah, on était jeunes, on était inconscients, quoi. Je me souviens, la première fois que je t'ai invité au resto, putain, hein. Ouais, oh, dis donc, j'avais sorti le grand jeu, putain. Oh la vache. Ouais, ouais, chez Tony, je t'avais invité à la pizzeria, là. Tony, le portugais, la pizzeria buffet à volonté, là. Mais si, au centre commercial, tu rigoles, il venait d'ouvrir. Ouais, fait semblant de tous de pas de souvenirs, toi. J'avais fait claquer le tire-pêche d'entrée de jeu. Ok? Vous est arrivé, vous voulez un pichet de flotte? J'ai dit non, mettez une bouteille, s'il vous plaît. Derrière, j'ai mis la formule à 17,50, je m'en souviens. Hein. T'avais le buffet à volonté, t'avais la calzone. T'avais la coupe de glace. Qu'est-ce que tu peux être fou quand t'es amoureux, quand même. Nos limites, j'étais nos limites. Allez. Nos limites. Enfin, tu te souviens pas de tout parce que c'est moi qui avais payé, hein, quand même. Hein. T'en es encore là. Au bout de toutes ces années, à ruminer ta merde au fond de la cuve, la putain de merde. Combien je te dois? Non, non, non. Non, non, non.
On clôture le dossier ce soir. Ça va pas me quitter. Ton histoire, ta connerie de pizza, la voilà ta pizza. Bouffe-la ta pizza. Mais il y a des pièces roses. Qu'est-ce que tu fais chier? C'est rose ça. Oh, alors, c'est bon. Il y a 3 euros en plus, pas acheter des croquettes, arrête de me faire chier. 3 euros, oui, il faut multiplier par 6, c'était des francs à l'époque. Ok? Ça fait combien? 3 fois 6? Tu me dois 50 centimes, terminé. Tu me baiseras pas la gueule, la comptable. Ah, mais bien sûr. De toute façon, ça va mal finir. Hein. Il y en a un de nous deux qui va y passer, hein. Ça c'est clair, rien attends. Regarde, qu'est-ce qu'on fout? Même, tu vois, j'essaye d'être positif. Qu'est-ce qu'on fout un samedi après-midi devant la télé? Il fait beau dehors, on pourrait pas sortir, se faire plaisir. Eh oui, s'il n'y en a pas un qui prend des décisions, tu vois. On pourrait pas aller chez Auchan, on pourrait pas... Bon, attends, je sais pas, moi. Ouais, tu vas tous les mardis soir, toi, tu veux m'emmener chez Auchan. Non, mais rayon Wi-Fi, il paraît qu'ils ont 200 mètres carrés supplémentaires. On se tient au courant de rien du tout, maintenant. On vit comme des cons. Alors, Mais comment tu sais qu'ils ont mis mais je sais parce que je m'intéresse, madame. Je m'intéresse au monde, je m'intéresse à ce qui se passe. Je m'intéresse à l'univers, je veux savoir ce qui se passe, les grandes questions. Non, mais j'en ai discuté avec les voisins, là, les deux petits jeunes qui sont installés là. Ah oui. Ils sont sympas, le couple qui est au-dessus là. Mmh, Mustapha et. Georges. C'est Georges. Eh, c'est les couples et les couples de maintenant, ça. Non, c'est bien, ils sont sympas, moi j'aime bien. Tiens, il est enceinte, Georges. Tiens, c'est pas de... J'ai dit, c'est la bière l'autre jour dans l'ascenseur. Il m'a dit, non, c'est deux jumeaux, monsieur. Non, je sais pas quand il va sortir ça, l'autre, parce que deux jumeaux, ça quand même, ça commence à... Ben, comment tu veux qu'il sorte ça? Il va faire une césarienne. Ah, tu ne sais pas. Il y a peut-être moyen de se faufiler. Tu sais pas, avec les techniques maintenant, tu sais, avec un pot de graisse, ils arrivent à... On ne sait pas, pourquoi tu te mêles de ces gens-là? Laisse-les faire. Ça peut te faire. Tu vois, là, c'est juger les autres, là. C'est pas parce que tu n'aimes pas ces gens-là que tu dois dire ça. Ouais, toi. J'ai pas dit, j'ai ben pas si, d'abord. Tu t'essayes de trouver des solutions, allez. Mais tu n'es même pas capable de faire quoi que ce soit. Hein? Donc, ferme-la, toi. Tiens, ramène tes fesses. On va jeter un petit ballon, tiens. Histoire, je vais te la raconter. T'es arrivé dans le métier sur un malentendu. T'as la tête pleine de rêves. Oh, te fatigue pas, la feuille de route, je la connais. T'es pas au vieux poisson chèque, t'apprendras à nager en eau trouble. T'as dû commencer dans le business comme stagiaire. Oh oui. Pour une de ces ordures de producteur. Un genre de fils à papa qui t'a certainement tapé dans le fion. Bon, dites donc, je vous permets pas. Vous adressez à une femme du monde. Il ne s'agirait pas de mélanger avec le tout venant. Quant à mon cul, c'est pas du genre à rendre des comptes. Oh, mais pardon. Je vois que j'ai touché un point sensible. C'est que madame a ses pudeurs. Oh. Mais je vous ai coupé, jeune carmélite. Vous vous rendiez sûrement à la messe. Quoi, à la messe, à la messe? Est-ce que j'ai une gueule à aller à la messe? Si moi je suis une carmélite, alors toi t'es un drôle de palefrenier. Retente d'eau quoi éclairé, ça sent le crottin. La carmélite, t'as besoin d'air. Ouf, petite chatte. Je te connais comme si je t'avais fait. Deux, trois flatteries bien placées, puis tu te fouais quatre pattes. Oh, c'est pour la peine de faire l'offusqué. C'est pas un cœur, putain, c'est une éponge. Valentin, arrête-moi cette musique de merde. Nous aussi, nous avons les élections au Cameroun. Hein. Mm-hmm. C'est moi-même qui avais instauré ce machin-là. Et moi, j'ai une véritable passion pour la démocratie. Oui. Non, c'est bien, les gens sont contents. À chaque élection, je leur chante toujours une chanson douce. Une chanson douce que chantait le président. Bonne nuit à tous, je m'occupe de votre argent. Oh là là!
Ah, les gens applaudissaient toujours. Ils disaient encore. Je dis non, aux prochaines élections, ça suffit. Au début, je voulais faire les élections tous les 20 ans. C'est un peu fatigant. Ça coûte cher. Mais les Français nous ont imposé tous les 7 ans. J'ai dit, bon, ça va, on va faire. Sinon, ils allaient me changer. Hein. Oh là là, ces gens-là ne blaguent pas. Hein. Ils t'envoient les commandos, barbouzes, hélicoptères. Ils rentrent chez toi par les fissures des murs. C'est très dangereux. Tu as vu Gbagbo en Côte d'Ivoire? Mais comment? Ils sont allés les chercher dans les toilettes. Ils n'ont pas eu le temps de tirer la charge. Ils se sont retrouvés en slip au tribunal de la haine. Je ne comprends pas. Je faisais caca, les gens arrivent. C'est pour ça que j'ai reçu le fax le matin, l'après-midi, j'ai commencé ces affaires d'élection. Au début, j'étais le seul candidat. Oui. Ils n'avaient pas compris vraiment le machin, quoi. Et les gens venaient me voir, ah, boss, c'est comment? N'est-ce pas que tu es le seul candidat, non? Il dit, ah bon. Ça veut dire qu'il faut plusieurs. Hein? Mais oui, il faut un gentil, un méchant. Ah. Alors là, j'ai pris un méchant. Un gars de mon village, un tueur de chèvres, un assassin. La face fait peur. Au début, j'ai gagné même avec 100%. Oui. Dans mon village, j'avais gagné avec 105%. Oh non, alors là, vraiment, non, c'est exagéré, c'est exagéré. Il y a la barre psychologique des 100%. Au-delà, les gens doutent, c'est vrai. Quand tu fais la politique en Afrique, je te dis, il faut être prudent. Très prudent. Il y a des imprudents. Oh non, trop. Il y avait un collègue en Centrafrique, Bokassa. Ah, un ambiance, un gars sensationnel. Mais tu vois, il se fait sacré empereur. Non, c'est trop. Avec le carrosse, la couronne. C'était Euro Disney à Bangui, non? Je lui ai dit, bon, c'est trop. Pourquoi tu fais ça? Tu es déjà président à vie. Guide suprême des mammifères terrestres et marins. Docteur honoris causis du système solaire. Tout ça en un an. Mais prends ton temps, Bobo. Et lui dit, non, je vais envoyer encore plus fort. Parce que je suis empereur, fils aîné de la reine d'Angleterre. Oh. Non, c'est là que j'ai compris, alors là, c'est foutu. Tu es le fils aîné d'Elisabeth? Ah bon? Est-ce que cette femme est noire? Oui, il disait, oui, elle s'est fait défriser. Il y croyait. Il envoyait des lettres enflammées. Maman, reviens. Je ne pense qu'à têter ton sein. Je... Oh là là. Non, il y a eu le problème diplomatique, non? Ils ont envoyé les commandos. C'était fini. Tu vois, c'est ça. Et vraiment, quand tu es en Afrique, vraiment, tu dois être discret quand tu fais les machines de politique. Moi, je suis très discret. Je suis toujours caché en Suisse, dans un hôtel. Oui, tu connais? Ah bon? Il y a des gens qui me reconnaissent. Ils pensaient que j'ai travaillé dans l'hôtel. Il y en a souvent, mais est-ce que vous connaissez le Cameroun? Je dis, oh, pas trop. Parce qu'en Afrique, vous avez des gens qui aiment parler fort. C'est ça le problème. Le sang est chaud, quoi. Quand Kadhafi, là. Ah! J'ai mon bonhomme. J'étais en Suisse, non? Il m'appelle au moment de ces problèmes-là. Il dit, papa, viens, on va bagarrer pour les Africains. Ah, j'ai dit, arabe, raccroche. Tu vas me faire les problèmes. Tu veux bagarrer contre la coalition internationale? Il dit, on va faire ça. Pour l'honneur des Africains. J'ai dit, non, mais comment? Un grillon ne peut pas affronter un troupeau de rhinocéros enragés. Il m'a dit, si, viens, papa, tu es déjà vieux, viens. Je préfère mourir en homme que ramper devant ces chiens-là.
J'ai dit non, mais ramper, c'est bien quand même. Tu avances un peu. Il m'a raccroché au nez. Carrément. Mais tu vois, le lendemain, ils l'ont embroché, c'était fini. C'est pour ça, moi, vraiment, je dis que quand tu fais la politique en Afrique, alors vraiment, vous savez, si je suis me maintenir au pouvoir pendant près de 35 ans, c'est que je n'ai jamais pris le moindre risque, jamais. Certains prétendent qu'en 35 ans, je n'ai rien fait. Je leur réponds toujours, non, c'est faux, j'ai fait moins que ça. Ce qui fait que mon pays est resté stable. Il s'est momifié, oui. Une momie, c'est vraiment extraordinaire. Elle peut rester 5000 ans, non, elle ne bouge pas. C'est un des trois soleils. Tu te retrouves, mais comment? Elle n'a pas bougé. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis passionné par le processus même de momification. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai un laboratoire dans mon palais, je fais même les expériences. Il n'y a pas longtemps, j'avais pris un opposant, un gesticulant, un gars qui m'emmerde depuis 30 ans. Dès que je voyais ce bonhomme, mais président, où est l'argent de l'État? Le peuple souffre. Bon, je prends ça. Je l'ai plongé dans le béton. Non, il est mort. C'est-à-dire qu'il avait un problème cardiaque que j'ignorais. Après, je l'ai fait sécher dans le jardin. Il est bien. C'est un opposant stable. Qui pleuve, qui vende, ne bouge pas. C'est ça que j'apprécie. Je pense même le nommer premier ministre. Surtout, il est honnête. Et ça, c'est très rare quand même. Ah oui. Honnête. Je l'ai testé. Hein? J'ai pris un billet de 10 000, j'ai mis devant comme ça. Même pas regarder, non, mais comment je ne pourrais pas en dire autant de mes ministres, vous savez. Oh là là, au Cameroun, c'est le problème. Je les teste en plein conseil des ministres. Je laisse tomber une pièce, je n'entends pas le bruit. Bon, attention, attention. Attention, c'est ce que je n'ai pas dirigé contre l'actuel gouvernement camerounais, bien sûr. Alors, j'ai assez d'emmerdements comme ça, et puis comme j'y vais, laissez-moi tranquille. Ce que je veux, c'est qu'on ne voit pas le visage. Hein. Tu me dis, je veux bien, voilà, un contre-jour. Et la voix, c'est brouillé. Hein. Je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix. Ça commence à quel moment que je me mets à parler, parce que je suis tous... À la fin de la musique, ok. Ben, elle est terminée, non? Quand vous entrez en politique, tu comprends que tu te coupes complètement de la réalité du monde, là, tu sais. Tu comprends que ta mission, ça va être d'exploiter, d'abuser de la naïveté des gens seuls. Alors, si j'apparais devant vous à contre-jour, tu sais, c'est que ma vie est en danger par rapport à ce que je raconte, là, tu sais. Pour plus d'anonymat, j'ai demandé à un brouilleur d'avoir avec l'accent québécois. Hey, il peut me reconnaître, c'est pas possible en tabarnak, c'est enfer. Comment expliquer d'être sauf? Avant d'être un homme politique, moi, j'étais dans les impôts, j'étais inspecteur des impôts même. T'sais. Je dirais que j'avais des prédispositions en termes d'état d'âme. Écoute ça, il n'avait pas, là, tu sais. Pour moi, détruire la vie d'un homme, oh, pas de problème, tu sais. Contrairement à un instituteur, tu sais, un pompier, lui, tu sais, c'est dur de rentrer dans la vibe de la politique. Parce que la politique, comment est-ce... La première qualité d'un homme politique, c'est la perversion. Puis dans ce domaine, c'était une qualité naturelle. Je ne peux pas dire que... Tu sais, ma mère, ma propre mère... Je suis fils unique, elle me disait, écoute-moi bien, mon fils. T'es bien pire que la dernière des putains que ça m'en déporte. Elle me parlait comme ça en esti. Elle me disait, toi, tu vas faire du mal aux gens, toi. Pauvre femme, j'ai empoisonné la vie. Non, vraiment avec du poison. Là. Et puis, c'est ça cet enfer. J'ai tué ma mère, tu sais. Ce qui fait que j'ai eu un parcours politique fulgurant, moi.
J'étais ministre à 32 ans, j'ai tout écrasé devant moi. Dans ma tête, tu sais, il n'y avait pas de pitié. J'étais sur la promenade des Anglais jusqu'à l'Élysée, là, tu sais. J'étais une véritable pourriture en tabarnak, tu sais. J'ai gagné en 10 ans ce que vous allez gagner en 3 générations, sinon pas de maudit bon sens, tu sais. Aux impôts, tu sais, tu gagnes de l'argent, mais c'est pas pareil, là. Tu peux pas prendre des grosses sommes, là. Bon, tu peux te payer autrement, hey, pour 2 factures un peu chiffonnées, là. Il y a moyen d'enculer la boulangère, mais... mais quand t'aimes la pognon en asti, là, tu sais... La politique, c'est le chalutier des bonheurs. Tu sors les filets, tu racles le fou. Putain. Tu prends un pognon. Tu es obligé d'en rejeter à la mer. Il y en a trop. Puis tout est offert. Là. T'sais, les travaux à la maison, les voyages, t'sais, les rétro-commissions, emploi fictif. Écoute, j'entends ça en ce moment. J'ai employé mon chat pendant 10 ans. Petite boule d'un poil toute grisette. Là, t'sais. Pénélope, je l'avais appelée. Là, c'est pour l'anecdote, là, tu sais. Mais paradoxalement, tout ce que tu vas apprendre en pognon, en argent, tu vas le perdre dans la confiance que tu as dans l'humanité. Là. Quand tu as accès aux coulisses du pouvoir, écoute, tu découvres une facette de l'homme. Hey, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Christ. Tu sais, j'aurais toujours en mémoire cet exemple-là, un collègue ministre qui avait bénéficié d'une grève de foie prélevée sur un jeune donneur d'origine haïtienne de 16 ans. Je me souviens de ça, c'était sur ma circonscription, je ne peux pas oublier de ça. Là. Puis quand j'ai compris que le jeune donneur était rentré pour une foulure au poignet, là, c'est ça, il n'était pas consentant, il ne voulait pas mourir l'enfant, là. Son seul malheur, c'était d'avoir un foie compatible avec cette pourriture de ministre de l'Éducation, là. Facochère de 250 kilos, tu sais, qui vivait avec une petite anorexique de 16 ans. Ah, voilà, c'est ça, vous en connaissez, vous avez les mêmes ici, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai été amené à rencontrer le père de famille qui cherche son enfant dans le couloir de l'hôpital. Il ne peut pas comprendre l'autre qui est déjà au congélo depuis 2 jours, tu sais. Et puis, ce qu'il en reste, parce que sur du 16 ans, tu sais, t'as un marché de la pièce d'occasion, bon, il était entièrement désossé, son gamin. Parce que ça, c'est une loi qui est passée en France cet été, les gens étaient sur la plage. Puis, tu sais, en France, ton corps ne t'appartient plus maintenant, à moins d'en faire la demande préalable. Bon, enfin, bon, retourner à la plage. Puis là, je me retrouve face à ce père de famille, tu sais, puis moi, je suis des impôts, je n'ai pas les mots pour expliquer, là. Puis il y a l'émotion là, qui se mêle de même. Puis je lui dis, écoutez, votre enfant, il était victime d'un prélèvement à la source. Et puis, voilà, il ne peut pas comprendre la père de famille. Il me tombe dans les bras. Puis là, j'ai dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui crisse, là, qui est en tabarnak dans cette affaire. J'ai envie de démissionner de ça. Je voulais aller à la pêche, tu vois. Mais en parlant dans le parti, là, on m'a dit, attention, là, ton envie de verdure, c'est une forme de radicalisation que tu es en train de vivre, là. Je me radicalisais. Je t'ai pas fiché S. Mais c'est commencé dans les M, là, toi. Donc là, il a fallu que je fasse les stages de remise à niveau dans le parti, dans les cadres, là, tu sais. Donc il a fallu, que j'encule des enfants de la DAS, là. Il n'y a pas de... Voilà, des jetables, comme on les appelle. Lors de grandes soirées à la gloire de Satan puis de Saint-Eustache. Et je sais pas pourquoi ils ont foutu Saint-Eustache dans cette affaire. Puis... Mais quand on est rendu à manger des yeux d'enfant, tu sais, pour récupérer une voiture de fonction, là, tu sais... Attends, il y en a un qui est en train de vomir. Alors, je tiens à préciser que ce sketch vomitif, ouvertement conspirationniste, s'amuse, bien évidemment, des fantasmes et des rumeurs colportées ici et là, fussent-ils fondés ou non, ces fantasmes. Mais je tenais à préciser à ce moment précis que je n'ai jamais assisté, personnellement, de près ou de loin, à ce genre d'horreur, bien sûr. D'ailleurs, si j'avais assisté à ce genre d'horreur, en aurais-je fait un sketch? Pense que oui. Faites entrer la petite dame, là. Ferme la porte, Jean-Luc, là. Ça va, madame? Ça va, madame?
Vous êtes la veuve du caporal Lapoisse, c'est ça, madame? Prenez les mouchoirs, c'est là pour ça, madame. Je vous en prie, madame. Vous avez appris la nouvelle ce matin, c'est ça? Quelle poisse. Non, j'essaye de mettre de l'ambiance un peu par rapport à... Bien sûr, madame. Complètement, madame, bien sûr, madame. Je vous en prie, madame. Ah, il était courageux, madame. Sachez-le, Didier, c'est un modèle pour nous tous, madame. Ah, il était courageux, madame, bien sûr. Madame. Mais ils sont tombés dessus, ils étaient sans, il était dans... vous êtes au courant, il est tombé dans une poche de résistance en pleine opération d'infiltration. On vous a expliqué comment... Opération Tartiflette, c'est ça, madame. Tartiflette, oui, moi, c'est le chef d'état-major, il est de la Haute-Savoie, à chaque fois, on y a droit. Là, on est reparti, opération Emmental, enfin, bref. Donc, a été courageux, là, j'ai le rapport sous les yeux, madame, il a été... Ah, ils sont tombés dessus à 100, madame. Donc, moi, j'étais avec lui, hein, on était tous les deux, on était en binôme. Enfin, c'est moi, j'étais sur le drone, moi. J'étais à 50 bornes, quoi, mais on était en contact. Quoi. Il était déguisé et tout, en bédouine. Ouais, mais ils sont tombés dessus, ils étaient sans. Hein, donc, à un moment donné, la probabilité de s'en sortir, bon, bah, ça tient plus de la magie que des mathématiques. Hein, on le savait. Hein. Ah, moi, j'étais avec lui, il m'a dit, tire-toi, Didier, tire. Tu sais, je le voyais, mais bon, ils étaient tout autour. Il aurait fallu qu'ils s'envolent. Ce qui n'est pas encore possible. Ah, non, jusqu'au bout, il était, mais à la fin, ils étaient tous, ils le touchaient quasiment. J'ai dit, merde, mais il y a cru, hein, même à la fin, il s'est mis à genoux, il a fait mine de traire une petite biquette, l'autre. Mais bon, les gars, c'est tous des bergers, automatiquement. Hein. Rien que la façon voilà, de se tenir, c'est... Puis bon, la faute à pas de chance, c'était un chien, le truc. T'es en train de traire un cabot, donc là... le chien, il est... Hey, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il a mordu au museau, bon, c'était fini, quoi. Mais j'ai dit couper la caméra, les gars. On est en terrain hostile. Il y a vraiment... Allez-y, madame, pleurez. Bien sûr, je préfère vous dire la vérité, madame. C'est normal. Ah, vous vous arrêtez net comme ça? Non, c'est... Il y a de la méchanceté, madame. Pardon? S'il a souffert? Oh, madame. Hein? Il aurait aimé souffrir. Il a un peu eu cette chance, madame. Ils l'ont travaillé pendant 2 jours. Quand vous voyez ce qu'ils nous ont rendu, là, c'est... Pour moi, c'est une paella. Hein. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, madame. Il faut éviter le détail, hein. Si vous n'ouvrez pas le cercueil, hein, quand vous serez... Non, on a mis un joint, touchez à rien, madame. Soit il faut rester avec Didier, de lui, le souvenir, avec les pièces dans l'ordre, parce que là... Ah ouais, y a de la méchanceté dans l'humanité. Hein. Ah ouais, même le médecin légiste, Bernard, un dur au mal, hein. Un ancien d'Indochine, hein, un gars, il a fait l'Algérie, il a fait le con. Croyez-moi, il en a vu des conneries. Il m'a dit, non, là... C'est la première fois que je l'ai vu chialer. Hein. Il était devant la fenêtre, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, Bernard? Ah, il m'a dit, j'en peux plus. Pour 1 200 € de prime, non, c'est bon, attends. J'ai une baraque en Gironde, je me casse. Ah, il est parti en mission. Non, il y a de la méchanceté, madame. C'est pour ça que... Pardon, la cause... On n'entend pas, madame, là. La cause de la mort. Oh, madame. Hein? Faudra attendre l'évolution de la science pour savoir. Quand vous en êtes à trier les rondelles de calamar, des boulettes de riz... Non, mais voilà, on en est là, c'est pour ça, cause de la mort. Dans le rapport, il dit, oh, ben peut-être, je sais pas, madame. Ben peut-être, quand ils l'ont transfusé au gasoil, l'ablation du sternum à la hache, on sait. En tout cas, ils vivaient encore quand ils ont extrait la colonne vertébrale. Parce qu'ils ont enclenché le petit micro qu'on lui a... Je l'ai entendu couiner, j'ai dit là, il est encore là, mais bon. Voilà, c'est pour... Non, mais madame, évitons les détails, je crois qu'on est... Voilà. Ouais, c'est pas... Faut penser à vos enfants, madame, maintenant. Hein. Faut vous tourner vers l'avenir. D'accord? Vous avez 4 beaux enfants que vous avez eus avec Didier, bon, ben maintenant... Hein, avec Didier ou d'autres, je sais pas. Avec Didier, d'accord, ouais, bon. De toute façon, vous savez, on est militaire, on part en mission pendant 2 ans, on s'imagine bien quoi. Hein,
Avec Didier, d'accord. Ne vous inquiétez pas, de son côté, il s'est bien amusé. On est parti. Ouais. Petits frères, des petites sœurs, il y en a un peu partout. Mais. Non, non, voilà, mais l'amour, l'amour. Mais je. Non, ce que je veux, madame, je suis en train de parler. L'avantage, non, mais c'est que dans votre malheur, il est mort au combat. Sur le théâtre des opérations. Ben, ça change tout, c'est-à-dire que vous avez accès à la prime. Non, madame, je sais bien, ça va vous permettre de respirer, ce que j'essaye de dire. 2000 euros. Ah, ça tombe tous les mois. Comme un salaire. Hein. Ah, jusqu'à ce que les enfants soient en âge de se droguer, quoi. Là, les obsèques, ah, tout est pris en charge, madame, il est mort au combat, madame. Tout est pris en charge. Et le général, il a dit, hein, on veut faire ça aux petits oignons. Vous allez être... Enfin, façon de parler, mais je veux dire... Non, non, mais vous allez être fiers, madame, vous allez être fiers. Les enfants vont grandir sans leur père. C'est clair, ça va leur faire un manque. Non, mais on va pas se mentir. C'est des gosses à l'adolescence, hein, bon, bah, ça va se foutre en l'air. Mais ils vont garder en mémoire la levée de drapeau dans le corps de la caserne, avec tous les collègues en tenue de parade. Képi blanc, fourragère dorée, tout le monde pareil, c'est bon. Hein. C'est, ça marque un gosse. Hein. Toute la fanfare, ils sont là. Et ils ont dit, on sera là pour dire, le chef de fanfare, il va venir de 15 km. Il a dit, je veux être là. Il a répété. Non, ils ont répété pour lui spécialement la chanson qu'il adorait, là. Hein, les portes du pénitencier, hein, de Moustaki, je sais pas. Ah, il l'aimait pas, cette chanson. Ah, ouais, il y aura ça. Et... Il y aura également le discours du sous-préfet. Ah. Non, non, ben, je ne devais pas en parler, mais il y a le discours du sous-préfet. Ah ben, évidemment que c'est important, c'est le représentant de l'État. Hein. Derrière, c'est le pape, hein, directement. Voilà, il va faire un discours pour Didier. Donc, il est question même de la Légion d'honneur. Donc ça, non, mais ça, j'ai rien dit, j'ai tout dit, d'accord? Vous ferez la surprise quand ils vont vous en parler. Hein. Légion d'honneur. Ah ben, il n'y a pas plus, hein. Légion d'honneur... Ils sont que deux dans le régiment à l'avoir eu, la Légion d'honneur. Hein, votre mari et puis Roxy. Hein, un chien d'avalanche qui nous a quittés l'année dernière. C'est un chien extraordinaire, Roxy. Et vous allez sur YouTube, vous tapez Roxy, 3e régiment, vous allez voir. Ah, c'est un chien, tu lui mettais une noisette sur la truffe, tu sais. Pas comment il faisait, tac, il a refroidi. Passons, parce que là, ça va trop loin. Là. Donc, dans les théos, le sous-préfet, voilà, discours. Il y aura la presse aussi, madame, la presse. Donc, voilà, donc il y aura les photographes, il y aura tout ça. Hein. Donc, passez chez le coiffeur, hein, parce qu'il y a des petites bouclettes, c'est approximatif. Là, ah, vous sortez du coiffeur, d'accord, ben, mettez un bonnet. Donc, il y aura... Son nom, j'ai pas fini, le nom Didier Lapoisse sera gravé sur le monument aux morts de la caserne. Donc ça aussi, c'est un prestige. Le grand monument, quand vous rentrez dans la caserne, dans le parking, non, vous sortez du kebab. Il y a le magasin pour les pneus, là, voilà. À quoi aura servi sa mort? Bon, vous voulez parler de l'opération Tartiflette, on va pas se mentir, non, on vous doit la vérité, madame. C'est aussi le fruit d'un malentendu. On va pas y aller par tête chambre. Ben, selon nos informations, l'ennemi était en possession d'armes de destruction massive. Hey, la blague qu'ils nous font à chaque fois. Donc, voilà. Donc après vérification, ils n'avaient rien du tout, deux canifs, un lance-pierre. Bon. Non, mais c'est apparemment l'opérateur radio, Joseph, un entier, l'autre, ça avait zouké toute la nuit. Coup de rhum là-dessus, bon, on a loupé une opération d'information. Il est mort pour rien, pas tout à fait, madame. Oh, oh, oh. L'armée fait un pas vers vous, faites un pas vers la maison. Ouais, mais attention, madame, 2000 euros, c'est pas rien. Allez dire ça aux Français qui se saignent aujourd'hui. Bah oui, faut y penser aussi, madame. C'est le salaire d'un urgentiste dans un hôpital à Paris. Hein, 2000 euros, donc voilà. Je vous rappelle, votre mari n'avait même pas son CAP, donc c'est quand même des salaires, c'est beau. Hein.
Ah bah, s'il avait su, il aurait préféré mourir, je pense même. Hein. Il n'aurait jamais eu ce salaire-là. Hein. Il n'avait même pas son CAP, vous imaginez la progression d'un... Quoi ? Il avait son CAP. Ah non, non, il a jamais eu de CAP, déjà. Nous, on a les dossiers, donc... Parce qu'il vous a dit qu'il avait le CAP, nous... Jean-Luc ! Ouais, il a raconté qu'il avait le CAP à sa femme. Ouais, vous descendez de loin. Hein. Ah, il a dit ça pour vous baiser, pour vous séduire. À mon avis, mais... Madame, je vais voir avec... Madame, je vais voir avec le sous-préfet. OK ? Il y a peut-être moyen, à titre posthume, de lui dégoter le CAP. Non, mais c'est pas pour vous, mais je pense aux gosses. Ça leur fait un bel héritage, quand même. Hein, pour, en termes de prestige, bon, bah... Hein, ils ont le discours du sous-préfet, la Légion d'honneur. Mettez le CAP au cul, ça ressemble à quelque chose. C'est des gosses, ils vont... ouais, non, ça leur empêchera pas d'avoir une vie de merde, ils sont nés en France, mais bon, ils auront un père mort en héros. Et c'est quand même mieux que d'avoir un père mort d'un AVC dans les chiottes d'une usine à Dunkerque. Relayez à mon pauvre ami, d'ailleurs, est une sale histoire. Surtout pour la population, pour nous autres, les artistes, encore autre chose. Ah, oh, ben il était question de prendre de la hauteur, ce chauveuse gonne, comme disait Rosebif. Les artistes, vous savez, collaborer, oh, je t'en vis l'amour. J'ai envie de dire, on a fait ce qu'on a pu pour sauver notre peau, vous savez. Et les héros, en temps de guerre, les plus beaux. Ah, la libération, tout le monde a sorti les trompettes, les petits drapeaux, c'est inventé une histoire. Mais vous savez, vos héros de guerre, là, qu'on donnait des noms de rue, des boulevards, qui dorment au panthé. Oh, ramassis de connard, menteur, fripouille de politicard véreuse. Sachez que pour moi, le Panthéon est une fausse merde. Les seuls héros que j'ai pu voir dans cette putain de guerre, ils sont tous morts sur le champ de bataille, sans honneur et sans gloire, bouffés par les corbacs. Ah, tu me diras, c'est le propre de l'héroïsme, on n'en fait pas carrière. Pour nous autres, les artistes, la guerre, bon, c'est une histoire d'abstraction. Quoi. Faire semblant de pas voir et de pas comprendre. Quoi. Ah, il était là pour faire rêver les gens, quoi. Comme le font les putes. On va bien y regarder, les théâtres sont des maisons closes. Tu m'as un petit billet pour passer une petite heure de mon temps. Hein. Oui, toute ma vie, j'ai fait la pute et alors. Certainement pas le peuple et ses élites qui va me donner de leçons de morale, monsieur. Ah, le peuple, il a eu le choix, ce connard, il a voté. Après, il se fait vitrifier, j'ai envie de te dire, chacun son rôle. Non, la vérité est que le peuple est un cave qui n'assume rien, toujours à chialer. J'étais génocidé. Eh ben, fallait faire attention, connard. Ben, reculez, attention au pot de fleurs, putain. Ouais, mais ils savent pas conduire, les miakouis, les rétro, les gars. Quoi, chérie? Oui, j'ai vu le voisin, ça va. Il se fout de notre gueule depuis ce matin. Laisse-moi faire. Vous allez sortir les trois palettes qui restent, là, vous les mettez dans le salon, s'il vous plaît. Hein, je verrai ça après. Quoi? Ah, il n'y a plus de place dans le salon, déjà? Bon, ben, montez ça à l'étage. On va condamner le premier étage, chérie. Ouais, ben, en temps de guerre, on dort tous dans la même chambre. Il n'y a pas de... Chacun... Une adolescente, ça y est. Alors l'autre, c'est parce qu'elle en est à se fourrer du coton dans le fion une fois par mois. Elle va commencer par casser les couilles, l'autre. Hein. Je suis au courant qu'elle soigne du fion, personne ne m'en parle. Écoute-moi, chérie, non, oh, oh. Le respect aussi, d'accord? En temps de guerre, il n'y a plus d'adolescence. C'est terminé, ces conneries-là. Il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus ces merdes-là. Non, tout le monde est adulte, à la naissance, comme un canasson. T'es obligé de cavaler au bout d'un tiers d'heure, sinon t'es mort. Mais personne va arrêter ce gros con. Mais ben, ce gros con, c'est ton père. Laisse-la, elle a du caractère, ça c'est bien, ça. Non, te fais pas trop d'illusions, ma chérie, c'est le genre de petite conne qu'on va perdre dans les premiers jours de la guerre. Regarde ça, elle est habillée comme une pute, l'autre. Telle tu pars, c'est mieux qu'elle crève tout de suite, je te dis tout. Non, c'est pour éviter qu'elle voie les horreurs de la guerre. Puis ça lui évitera aussi les viols à la chaîne quand les hordes de barbares vont débarquer dans le quartier. Ah, ils violeront toutes les femmes, comme ils font à chaque fois, les gars. Non, toi, tu risques rien, monsieur.
J'arrive pas, ma pauvre. Pour être foutu à poil sur le trottoir et que tu toucherais pas les mains. Non, c'est pas ça, tu t'es déformé en l'espace de 10 ans. Regarde-toi, on dirait un conteneur, on va où les mecs? Hein? Non, les hommes. Oui, ben l'hippopotame, il t'emmerde. De toute façon, chérie, selon mes calculs, on va perdre 80% de nos effectifs au niveau familial. Faut pas rêver. Déjà, toute la partie de ton côté, ça va dégager. Et on, ça nous fera de l'air. Et ça te permettra de récupérer la baraque de ta sœur. Tac, tac, faut calculer tout ça, entends bien. Non, non, n'écoutez pas, le premier étage, on condamne tout. Il y a trop de riz, pourquoi tu parles comme ça, chérie? Tu veux t'occuper de la logistique militaire? Non, mais vas-y, tu me fais honte devant les livreurs chinois. On peut tenir combien avec 100 tonnes de riz, lieutenant-colonel? Non, mais vas-y, bah, puisque tu... Non, 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 déjà, le calcul est pas bon. Non, 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 14 et 14. Ah! Voilà, tu retiens 4. 3, 14, 107. Pythagore, il y a tout ça à mettre dans la salade. J'ai fait le calcul ce matin, je cherche pas, on peut tenir à peu près un siècle. Si tu retires la ration de l'autre code là et qu'on serre un peu la ceinture, tiens, elle se casse. Ouais. Et mais t'inquiète pas, elle reviendra. Elle reviendra quand ça sera la pénurie dans le quartier, rêve pas. Hein. Si elle survit aux épidémies de typhus et de choléra. Tu sais, en temps de guerre, il y a toujours une poignée de malins qui réussissent à s'en sortir. Cette fois-ci, j'aurai ma part du gâteau, crois-moi bien. Ils se foutent de ma gueule? Non, mais attends, je rêve. Eh, le pourboire, ouais, c'est ça, ouais. Tirez-vous. Tu te souviens quand j'ai mis le portrait de Kouchner dans le salon? Tu te souviens de cette histoire? Voilà. Voilà que ton frère, bon, s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, non, Kouchner qui porte le sac de riz, c'est un genre de prophète. Il nous montre une direction, ce mec. Non, c'est pas ça. Il porte le riz pour les Africains. Parce qu'à l'origine de tout, il y a quoi, ma chérie? Dieu. Non, non. Il y a le riz. Ouais. Dieu, il est derrière, il arrive, mais il sera pas là. Parce que le riz, non, c'est l'or du chaos, le riz. Tous ces connards qui se foutent de ma gueule aujourd'hui, hein, ils ramperont devant la baraque, tu verras bientôt, pour une poignée de cette précieuse semence. Ils donneront tout ce qu'ils ont, hein. Leur pognon, leur dignité, et je leur prendrai tout. Hein. Je les enculerai sur le trottoir devant leurs gosses. Oui, pour qu'ils comprennent qui est le chef dans le quartier. C'est prématuré d'acheter du riz, putain. Pourquoi tu me pas... T'es pas peur, pourquoi tu fais ça? Tu vas pas te taper. Tu vois, là, Thierry, la différence entre vous, les bonnes femmes, non, c'est pas ça. L'anticipation. Tu n'as aucune anticipation. Pour ça que dans la jungle, tu peux pas quitter ton terrier, sinon tu te fais becter avec tes petits, parce que t'as pas le truc, t'as pas... En fait, t'es con comme une belette. Je sais pas pourquoi je te parle. Non, chérie, c'est pas ça. La nature ne t'a pas doté de l'instinct de guerre. C'est pour ça que vous faites violer systématiquement, ton gars. Parce que t'es pas dans le game, t'es pas dans le truc. Mais cherche pas, tu peux pas y arriver, parce que ça remonte à l'enfance. Chérie, je pose des questions. Tu faisais quoi quand t'étais petite? Je jouais à la poupée, tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, dès le départ, à la récré... Ma gueule, quoi. Tu te fous dans le terrier, tu la fermes, tu nous sors un nichon et tu nous fais du lait. Avec le riz, on fera un dessert. Essaye de nous pondre un œuf, on fera des crêpes. Tu peux y arriver, parce que t'as pas confiance en toi. Pense œuf. Ça veut dire ça. Chérie, écoute-moi. Tu sais, les mecs comme moi, comme Rothschild, Rockefeller, non, mais, qu'est-ce qu'on a en plus des autres? C'est pas ça. L'anticipation. On voit au-delà. Tu te souviens quand Macron a serré la main de Trump? Voilà, tu te souviens de cette anecdote? C'est là que j'ai tout de suite compris. Là où certains ont vu, bon, le coup de bluff d'une petite pédale qui vient d'arriver à l'Élysée, moi, j'ai anticipé. Ça, plus l'augmentation du pinard. J'ai dit, Bernard, achète du riz. Ouais. Être à l'écoute des signaux, ma chérie. C'est ça qui fait la différence entre un grand homme et un génie. Allez, ferme-la, mon amour. Ah, faut que je me souhaite. Et j'ai pas le souffle de... Et j'aurai 129 ans au mois d'août, quand même. Ouais.
Ah, ben j'ai des souvenirs. J'ai vécu les deux grandes guerres, donc j'ai vu des trucs. Hein. On a défilé sur ce boulevard en 1917, pour vous dire. Hein. Alors, on ne pouvait pas s'imaginer à l'époque qu'un jour les gens défileraient comme ça à la fête à la rondelle. Nous, on est parti la fleur au fusil, on disait. Bon, c'était la seule extravagance quoi, qu'on s'autorisait. Personne n'était en latex, regarde ça. Hein. Porte-jartel avec une écharpe de maire. Ah bonjour, monsieur le maire, d'accord. Dans les tranchées de Verdun, personne n'avait de plug anal ou des choses comme ça. Hein, où les gens n'en parlaient pas. Peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, touche-moi le plug, les gens sont fous. Hein, c'est... Nous, on s'est battus au départ, c'était pour se libérer. Mais pas de tout, c'est ça que je comprends pas. On aurait bien gardé deux, trois réflexes du temps des mammifères, quand même. Quoi. Mais je devrais pas voir tout ça à 129 ans, c'est trop vieux, ça. Non, je suis là pour mon arrière-petit-fils, là, Kevin. Ah, lui, c'est la Gay Pride. Et chaque fois, il m'emmerde. Faut que je le filme Facebook Live. Il sait pas comment ça marche, ce truc. Kevin, non, c'est la jeune fille en string, là. Ouais, oh, je continue à l'appeler Kevin, l'autre. Faut l'appeler Mafalda, maintenant. C'était le dernier garçon à porter notre nom. J'ai du mal, quoi. Ah, c'est une femme, il a été opéré. 6 heures d'opération, chirurgie esthétique et tout. Hein. Pris en charge par la sécurité sociale. Ah, il n'aurait pas pu. Nous, on est revenus de la guerre de 14 avec les gueules défoncées. C'est... Bon, on n'a pas eu le droit à la chirurgie esthétique. Pilote, maintenant, bon, bah, se fait payer une chatte aux frais de la princesse. C'est le progrès. J'essaie, je n'arrive pas. Ah, oh, il m'emmerde. Le gros chinois qui est derrière, là. C'est son mari, ça. Même pas l'autre. Ah, ils sont mariés au mois d'août, il y avait des Chinois partout. C'est... J'aurais jamais dû voir des choses comme ça. Et moi, ah, ben, j'ai discuté avec le vieux Chinois. J'ai dit, mais c'est pareil, en Chine, il m'a dit exactement pareil. Mais lui, ça fait 25 ans, il n'entend plus. Il m'a dit, c'est bien, essayez, parce que ben, c'est mieux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Quoi. Vous savez, vous sortez d'une guerre mondiale, vous n'avez pas l'esprit à faire des trucs comme ça. Quoi. Ah non, non, bah, c'est, on n'avait pas mangé pendant 4 ans, hein, donc nous, on trouvait un verre de thé, on le bouffait. Quoi. On n'avait même pas l'idée de se le foutre dans le cul. Quoi. Il y avait ça. Tu nous donnais le RSA, 2 boîtes de raviolis, on était contents, on a reconstruit la France bénévolement. Puis il n'y avait pas de 39 heures, on bossait 50 heures par jour. C'est le patronat qui disait arrêtez, on va se faire choper. Quoi. Oh, j'ai fait avoir, certainement. Vous êtes de quel journal, vous, c'est Têtu, d'accord, oui. L'homosexualité, oui. J'ai l'impression, non, de plus en plus, non, les jeunes, maintenant, se focalise comme ça sur cette histoire de rondelle. Alors, oh, nous, on n'avait pas le temps. Ah, oh, c'est ça, le temps. On nous pensait, s'il fallait survivre, il fallait bouffer. Quoi. Moi, oh non, je me souviens. Si, c'était quand? C'était en 39. J'ai sauté sur une mine, moi. Alors, ça m'a arraché tout le cul. Tu vois, et je me souviens, à l'hôpital, tous les matins, l'infirmier me tripotait l'oignon comme ça. Eh bien, c'est pas mal. Mais bon, j'ai pas pu approfondir tellement le truc parce que fallait aller bosser, quoi. Mais même en temps de guerre, la sexualité, ça n'a rien à voir de ça. Il n'y a pas toute cette technologie de plug, de cloutage. C'était artisanal, un homme, une femme, un regard. L'autre, elle te frôlait la patte. T'envoyais la mayonnaise au plafond. C'était... Ah, mais même les femmes, elles étaient tombées enceintes une fois par semaine. C'était... Qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à pondre un œuf, c'est quand même fou. Hein. C'était le printemps. Voilà. On était un peuple en marche. En marche. Lorsque vous allez faire vos courses au supermarché, vous êtes en guerre. Vous l'ignorez, mais... Derrière votre caddie, avec votre enfant, vous êtes les petits lapins à l'ouverture de la chasse. Tu te balades peinard, t'as l'impression de te marrer, toi.
le système de consommation a disposé sur ton parcours tout un tas d'embuscades savamment orchestrées au millimètre. Les mecs ont fait des hautes études, les couleurs, la hauteur, systématiquement à la hauteur d'ailleurs du regard des enfants, les premières victimes, les plus fragiles. T'arrives à la caisse, le gosse il est perdu. Le premier dilemme pour l'enfant, c'est le choix. Il n'arrive pas à trancher. Il a deux objets. Il cherche du soutien, il te regarde. Et toi, t'en as rien à foutre du hand spinner en alu ou du pot de pâte à prout. Tu sais que ça va finir à la poubelle, l'achat. Mais tu peux pas. L'autre, il est noyé dans son délire. Toi. Dans le doute. Il en chiale de pas savoir choisir. Tu te dis, c'est pas possible d'être aussi con que ça. C'est pas mon gosse, faut que je fasse un test ADN. Puis bon, c'est toi le père, donc à un moment donné, il faut l'autorité. Tu as un rôle à jouer, hein, dans sa construction. Ah ! Ah ! Une fessée ! Il y a des mots importants. Il en a rien à foutre, il peut pas, l'autre. Tu vas même récupérer l'objet pour le remettre dans le présentoir. Mais dans le champ de bataille qui t'oppose au système, tu gesticules à découvert, mon pauvre ami. Rien que le présentoir, tout est étudié pour que tu ne remettes jamais cet objet. C'est un système, ça monte, ça descend, ça se casse la gueule. Et l'autre, il le sait. Sous le regard de la caissière complice. Fini le temps des caissières qui bossaient pour la résistance. Qui laissait passer deux articles comme ça pour le maquis. À terminer. Attends, carte bleue, caméra, il n'y a plus moyen de bricoler. Elle entend l'autre hurler, elle ose te dire, tu vois, tous les mêmes, les enfants, hein. Normalement, t'es armé, tu la piques à la carotide. Et tu sais que tu l'as déjà perdu, cette guerre. Tu fais même semblant de rigoler. Elle voit que t'as un genou à terre et elle en rajoute. Vous avez la carte du magasin? C'est mieux avec la carte du magasin? Ah bah oui, vous accumulez des points, au bout de 30 points, vous avez un cadeau pour les gosses. Ah bon? Que je réfléchisse à ça. Mais t'as pas le temps de réfléchir. Tu as une alarme qui se déclenche, tu sais pas tout ça. Comment? Qui? Ah, vous devez avoir l'étiquette dans vos vêtements. Ah, faut que je retire mon froc aussi. Et là, t'as un vigile qui arrive, un mec de Casamance. Ils viennent tous du même village. Le mec, il fait 2 m50. Normalement, il est dans un zoo. Qu'est-ce que tu fais là? T'as une lance? Apparemment, j'ai une étiquette. Il y a une cabine ou pas? Mais il est dubitatif, l'autre. Et puis là, je sais pas si c'est la fraternité africaine. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Yo, brother! Une bonne nouvelle de très courte durée. Parce que le temps de mon interpellation, ma progéniture avait jeté son dévolu sur une sucette géante, fluorescente en forme de sifflet. Une merde à 7,20€, j'ai vu tout de suite. J'ai dit non, c'est non! Il nous a allumé une trompette, l'autre. Un son qui est sorti de ce petit corps. Une fréquence étudiée pour te casser les couilles à l'intérieur de l'os. L'autre en rajoute une couche. Mais c'est ce qu'il veut, monsieur. Hein, vous ne devez pas vous ennuyer avec un numéro pareil. Les gens qui te regardent. La solitude, putain. Je me vois, tu sais, comme un robot déposer les articles sur le tapis, comme ça. Puis je sais pas, ça s'accélère, ça se casse la gueule. L'autre qui hurle, à un moment donné, j'ai arrêté. J'étais à Stalingrad, pieds nus dans la neige. Allez, cocolé, cocolé. J'étais russe. Il me fallait envisager une reddition totale et sans condition. En guise de drapeau blanc, j'ai sorti ma carte bleue. Tenez, madame, je me rends. J'ai perdu. Faites-vous plaisir. Je lui ai acheté sa sucette, évidemment. Et chewing-gum, tic-tac. Des piles. Ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'étais plus en capacité de me défendre.
Nous étions anéantis, moi et ma progéniture, hein. Vaincus. Lui, parce qu'il avait cédé à la tentation, t'as pas pu faire autrement. C'est rien. Moi, parce que je n'avais pas su le protéger de tous ces pièges qui finissent par faire de toi un connard de consommateur. J'ai poussé le caddie jusqu'au parking. Oh, nos regards se sont croisés avec mon enfant. Le sien encore rougi par la colère de l'envie. Oh, il s'était apaisé. Il y avait même cette larme qui roulait sur cette joue maculée de sucre fluorescent. L'objet de toutes les convoitises avait disparu, englouti. Il ne restait plus qu'un bâton qu'il a fini par coller sur la putette de la bagnole.